Est-ce que vous êtes chaud? Ah oui, ok. Ok, je pensais pas que les deux avaient leur flash, my bad. Bref, Nina, Efeko. Les dons, pas de flash, hein, tu peux tuer. Hein. Ok, nice. Moi, ça c'est pas dégueu du coup. Non, je pense pas que là-dessus. Ouais, je pense pas. Si, bien sûr que si. Hein. Attends, le jump, voilà. Nice, tu l'as du coup. Elle a pas de flash, elle est morte. Bien joué, mec. Bien joué, mon pote. Sparal, Kyrdos qui dort. Yep, Kyrdos est foutu. Ah, dommage, je pense. Putain, fuck, c'est sur le timing où je back quoi, fais chier. Oh, il meurt pas l'auteur. C'est pas mal pour est trop derrière. Oh, nice. Putain, mais il a un HP quoi. On est poursuivi, les potes, on est poursuivi. Y'a FK là. Hein. Oh, putain, oh, mais. Aaaaaah! C'est ouf, hein. C'est ouf. Ouais, on est poursuivi. Ah, oh, mais. Je récupère mon flash maintenant, mais je suis deg, les potes. C'est insane le manque de réussite qu'on a. Allez, tous ensemble pour les bons dégâts. Allez. What the f. Oui, c'est vrai que j'étais là, moi. What? Les gars, je suis niveau 1. Non mais, hein. Mec, genre, la pause s'arrête, mon perso il fait deux pas en avant, non mais... Bon, c'est pas relancé instant, non. Et Moon... T'as vu, t'as un bon, moi. J'ai plus de sort. J'ai plus de sort. Décoroco, mais... mec. Laissez tomber, QFF au pire, QFF c'est fini. Non mais Décoroco, Osef, on joue, le mec on est sur scène, on peut pas FF. Bah ben, écoute, t'as vu les têtes de la vie. Non mais Melon, arrête. Hein, mec, c'est insane. J'ai envie de vomir mon cerveau en fait. Et bon dégâts. Ok, j'arrive. C'est bon, là. Ouais. Je l'ai. Faut pas avoir en bouche, je pense. Faites gaffe, recule. Y'a Kev, Oh. Nice. C'est bien. J'ai Coco qui bouge. Stop. Bien joué, Kev. Cours, je pense. Il me fallait un quart de seconde pour le. Oui, hein. Il a pas de summoner, il a zéro summoner. Nice. Ok, pas dégâts ça. Oh fuck. Ouais, on l'a. Nice. Ah, oh, je l'ai raté. Pas grave, encore. J'ai mon flash. Il est frappé. On va peut-être se retourner, les gars, il y a KLM. Il y a 3v2. Hein. Oh non! Prends le temps. Ouais. Vous voulez dive? Vas-y, go Nero, go Nero, go Nero. Il est slow?
Iski. Ok, nice. Nero, il a pas de flash, il a nos flash. Nice. Bien joué, il est mort, juste backé. Mais tue-le. Je pense qu'il est low là, Wax, très low. Ouais. Il a plus son exécuteur en plus. Wow. Bien joué. Je peux pas rego in. Wax est low, j'ai dans 10 secondes. Ouais, dans 10 secondes. Ok, nice, il a pas cédé. Attention la zone. Ok, nice. Là, il régène, c'est chiant. Ouais. Oh, il a quand même pas d'exécuteur. Ouais, il a pas de malmorphius. Ouais. Ah ouais, respectez, il y a encore l'ulti canon. Notre base. Oh là là. C'est pas grave, la game était intéressante. C'est un cancer de jouer contre eux, ils sont tellement organisés. Mec, tu m'as fait peur! Ouais, t'inquiète! Pourquoi t'as flash? Bah, parce que je voulais garantir la tirette! Ah merde! Mais n'hésitez pas, je cherche un CDI sur Paris! Ouah, melon! Melon le dieu! Oh là là! Qu'est-ce qu'ils font? Oh non, les gars, faites pas les bâtards, revenez. Merci. Bien bondé. Vas-y, go. Ah, ils font les rades. Go, et on push la wave bobide et on va nash. Oh, ça veut back, je contourne. Oh merde, sans guette. Go aider melon. Ils font une erreur là. Ils ont pas de carrière. Dans le cas. Back, je suis low. Ok. Oubliez pas que je suis low. Ouais, t'inquiète. Putain, il est mort. Tonnerre, il est ult. Allez, on continue. Lucien est mort, nice melon, the god man. Nice! Faut que je pousse celle-là. Ah! Ah, t'es mort. Putain, le combo du stun crap, c'est rentable. Il reste bataille. Là. Oh, j'ai besoin de... J'arrive vers toi. Vers le Drake. Enfin, continue. Oh, c'est pas mal, on peut les pire. Vas-y, ulti. Ok. Il va me tuer, mais vous l'avez. Non. Il est mort. Oh, sérieux ça? Moi, je l'ai quand même. Ouais, il est mort.
c'était mal joué. Si on arrive comme ça, on perd. On l'engage, on l'engage. Ok, dès que on je suis ok, on continue, on continue. Faut engager les mecs. Bah, on peut pas le faire, les mecs. Ouais, mais ils le savent pas, ils vont pas l'HP là. C'est bon, on engage. What? Fallait engager plus tôt, les gars. Ah, ouais, on peut y aller. Ok, flashgate. Ah, ils ont mis. J'ai un deck à deux, autant garder un petit peu. Attendez, on est obligé de passer par le mid hein. Ok, Caitlyn, passe par là, j'arrive. Tu peux go. Passez dans les zones. Vous prenez les AOZ, c'est le gars. Fais la Caitlyn qui est free DPS. Ah, je peux pas faire. Norton. Ouais. Ah, j'ai mis un crit, mais ça va pas. Là, il manque rien, quoi. Désolé, tant pis. Je suis désolé. Et t'es excuse pas, Melon, t'as bien joué. Ouais. Honnêtement, les gars, je suis en top 5, c'est. C'est tellement à des kilomètres de mes espoirs que. J'ai une belle fraude. Oui. On est un Lynx qui avait jamais joué ensemble, c'est grave. Je pense qu'on aura assez fraudé pour ce week-end. C'était quand même une belle arnaque. GG, les potes. Bien joué. Bravo! C'est cool. Cinquième place. T'es content? En vrai, ouais. Ça s'est passé comment le teamplay aujourd'hui? On a fait de notre mieux vu qu'on était un mix assez récent. Du coup, on a joué les compos ultra simples en fait. Avec des gros teamfights ou alors une grosse présence en late game. Ce matin, on a commencé par une game dans l'amphithéâtre, ce qui s'est très mal passé honnêtement, parce que je venais de me réveiller il y a une demi-heure, j'avais très peu dormi, un peu comme tout le monde, mais voilà, ça se sentait vraiment dans la game, j'avais du mal à me mettre dedans. Et puis en face, ils étaient quand même, c'était les Melty, donc ils sont meilleurs que nous. La première game contre Melty, c'est simple, j'ai int. Je voyais des cages, je hut dedans avec Caitlyn. Et je meurs misérablement et je fais du 0-9. L'arène était stylée et le public était chaud. J'en avais beaucoup plus de soutien que de capacité de gagner la partie. Donc c'était plutôt cool. On était déjà allé sur la scène l'année précédente et on s'était fait éclater. Et bah c'était la même chose. On a vu que tu perdais un peu, c'était un peu dur d'attendre à cause des problèmes de lag. Oui, il y en a eu beaucoup justement pendant cette arène. On a vu que tu changeais un petit peu de TS de temps en temps. Je vois pas de quoi tu parles. Melty qui a empêché la fraude au maximum. On s'est fait 20 minutes deux fois et ils étaient beaucoup plus solides que nous et ils l'ont montré. Mais après voilà, on n'était pas déstabilisés non plus et on est parti confiant dans le loser bracket. On est passé de Melty à PCS, le niveau est quand même beaucoup plus bas. Donc on a pu. On a stomp, c'est vraiment défoulé quoi. C'est super bien passé. Ensuite on a joué Lama il me semble. J'avais beaucoup parlé avec Noah qui est leur coach manager. Et on s'était pas mal taunt en fait, il y avait pas mal de petits pics qui étaient partis, même Twitter, même IRL, on voulait se 1v1 sur le parking. Donc c'était plutôt sympa, une petite rivalité, et ils pensaient gagner la draft. Bon, moi j'étais assez confiant sur la draft justement. Puis finalement ce qui s'est passé c'est qu'on a réussi à gagner, et ils s'y attendaient pas du tout, il avait pas regardé la game en fait, tellement ils pensaient que c'était win. Et après il a vu mon tweet, Lamastiquois, et il s'est dit oh non c'est arrivé, et on a réussi à prendre la game. Après c'est du BO1, donc c'est un peu aussi pour ça que j'ai qualifié notre équipe d'équipe de l'escroquerie. C'est pour moi c'est du vol absolu en fait, on méritait pas du. Enfin même si on a mérité d'arriver aussi loin, mais de base on était clairement outsiders et finalement une équipe comme le Mastico qui s'est beaucoup préparé. Merci. Qui s'est beaucoup préparé. C'était pas le meilleur spot. Ouais c'était cool, on s'attendait pas du tout à gagner contre Lama. Par contre une fois arrivé contre Robil, il y avait moyen que l'escroquerie continue mais on y croyait plus trop. La dernière game, j'avais prévu une strat. Sauf que ça s'est pas du tout passé comme prévu, en gros ils ont changé les piques et ban. Je m'attendais à ce qu'ils piquent autre chose et ce qu'ils bannent autre chose. Au final ça s'est pas passé comme prévu et puis bon, ils ont très bien joué, ils ont très bien joué la map, ils ont très bien joué leur compo juste. Les gens sur l'internet vont s'amuser à dire qu'on a été plus haut que GGCN, parce que voilà c'est internet. Donc voilà, c'était une journée pleine de vols, très sympathique. Et du coup on finit genre 5ème de la LAN, ce qui était inattendu et très drôle.